Cela montre que la confiance des entreprises revient progressivement. Cela montre également que, après plusieurs années de destruction d'emplois, nous avons aujourd'hui, depuis un an, 40 000 créations nettes, mais que ces embauches se font aujourd'hui sur des contrats courts. Le deuxième enseignement de cette baisse de 15 000 demandeurs d'emploi sur le mois de novembre montre que nous sommes dans une phase de stabilisation du chômage, puisque sur les trois derniers mois, le chômage n'a augmenté que de 0,1%. C'est bien sûr 0,1% de trop, et nous faisons tout pour que cette stabilisation, cette phase de stabilisation dure le moins longtemps possible et se transforme bien évidemment en baisse durable du chômage. Un motif de satisfaction aujourd'hui, c'est que cette étape de baisse durable a été franchie pour les jeunes, puisque depuis le début de l'année, le chômage des jeunes a diminué de 25 000, avec près de 6 000 jeunes ce mois-ci. Ça montre que les dispositifs, la garantie jeunes, les emplois d'avenir, mais aussi le développement de l'alternance sont des dispositifs qui sont efficaces.